Salut à tous, c'est Alila Extag. On se retrouve avec Bubule. Bon. Et on va vous faire un petit trade pour Marianne, question de vous montrer comment faire un trade rapide qui rapporte quelques PO et ce en quelques minutes avec un bateau. Je te propose qu'on aille déjà faire de crafter les trades. Je vais y arriver. Ah là, c'est là. Ah oui, non, c'est tout déjà qui les vend, mais c'est le marchand général. Ah oui, c'est aussi ça. Attends, je vais monter un peu ton son pour être sûr qu'on t'entende bien. Là. Moi, c'est parce que là, j'ai des poulets encore là-bas. C'est dans le champ qui m'ont poussé là. Poussé, tu sais, au pire, si tu manques de poulet, je t'ouvrirai mon champ. Tu peux aller aussi en chercher sur mon champ. Simplement, quand t'en prends un, tu le replantes. Si tu vois qu'il y a plein de poussins, pas tuer les poulets pour remettre des poussins, à moins que les poussins soient prêts 5 minutes plus tard, quoi. C'est tout. Mais je peux t'ouvrir mon champ, sinon c'est pas un souci. D'ailleurs, je pensais au sein de notre guilde, la règle c'est d'avoir les champs ouverts pour que tout le monde puisse cultiver sur les champs des autres, on gagne du temps. Parce que tous les gens qui voudront pas cultiver mais qui ont quand même des fermes, ils pourront poser leurs fermes s'ils sont premium, ça permettra aux autres de cultiver. Ça permettrait de faire masse de trade pack, ça peut avoir plein d'avantages. En plus du coup, même tu sais si du coup je sais pas si on va réussir à tous se rassembler sur le même truc. Mais du coup si on, même si on n'a pas réussi à tous se rassembler, si on a d'autres un peu plus loin, du coup ça permet de faire moins de chemin, tu sais, je veux dire. C'est ça. Planter des trucs permettra quoi. Ah oui, parce qu'on a la mer juste là. Ouais. Ah ok, je pensais qu'il aurait, tu sais, qu'il aurait fallu se faire tout le chemin et tout. Non, tu vas voir, pour aller à Marianop, c'est bateau direct et il nous amène jusqu'au Gold Trader. Ah mais bah c'est cool. Si tu veux, tu peux même t'amuser à rester accroché au filet. Ah, tu peux monter sur le filet. Ouais, si t'appuies sur F. Ah oui, attends, vas-y. Ah là, ah, là. Et après, regarde. On traîne un bubule. Par contre, remonte parce que si on se tape un mob, ça va te décrocher. Ah, attends. C'est trop bien. En fait, ça m'a fait du jet ski mystique et accroché sur un fil. C'est ça. Un peu plus à gauche. Ouais, donc du coup, va falloir que j'essaye les vaches. Je pense que dans le petit champ, on peut pas en mettre 3. 3 tonnes plutôt. Tu peux pas en mettre beaucoup, disons. Au mieux, t'en mets une, je pense. Juste une, c'est ça. Une ou deux, je pense, ouais. Ouais, enfin, peut-être deux chaque côté, une de chaque côté. Disons que t'as vu les places que ça prend. Ouais, c'est marrant. Mais bon, rien que. Il m'en faut pas 3 tonnes pour pouvoir faire mes trucs. Et moi, les premiers, pas du tout. Ouais, c'est pour ça que là moi je vais, après sur le live, je vais regarder ce qu'il me faut pour faire mon armure, je vais aller l'acheter à l'HV et je vais craft mon armure. Bah moi je vais essayer déjà de crafter le, bah pas le plastron mais tu sais le haut quoi. Mm-hmm. Étant donné que l'arme, pour faire mon arme c'est juste horrible le prix que c'est de la poussière qu'il me faut. L'autre j'ai réussi à en avoir, il y en a eu des pas chers qui ont. Ah bon, moi je sais pas pourquoi les gens n'ont pas vendu ça, que tout le monde a acheté. Juste de quoi c'est pour me faire un livre. J'adore ces rochers. Ça fait vraiment des super endroits où tu pourras te planquer des trucs du genre pour tendre des embuscades. Surtout ouais, que sur Yad, ils sont pas indiqués sur la map. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, sur la map, il n'y a pas grand chose de façon. C'est quoi la brèche là? Je pense que c'est un fort détruit parce qu'il n'y a rien sur la map. Si tu veux, après on peut essayer de venir voir. Duncan, tu vois ce que c'est, peut-être. Une fois qu'on aura fini le trade, on reviendra par là peut-être. Tu crois que c'est un vrai fort qui a été détruit? Un fort de joueur ou tu Non, pas un fort de joueur, c'est un fort de décor quoi. Pas un fort de décor. Ouais, c'est vrai, c'est le blason de base qu'ils ont. C'est l'espèce de décor. Ouais, c'est pas trop moche encore. Hein. Ouais, non, franchement, pour le truc de base, moi je trouve qu'il est. Je trouve ça plus beau que certains joueurs de blason personnel. Surtout que ça commence à battre, des fois ça va. Mais tu sais, des fois, ça c'est des gros carrés. Tu sais, juste des gros carrés de couleurs bizarres. Donc ça n'est pas super. Comme des. Parfois ça peut bien, mais pas super. Et voilà, on est déjà quasiment arrivé. On n'a plus qu'à aller emprunter le canal au bout et on est à Marianople.
Mais du coup, on fait ça plusieurs fois, c'est ça? Hein? On fait ça plusieurs fois pour. Si tu veux te faire beaucoup de thunes, ouais. Bah, c'est pour ça, on va le faire une fois pour la vidéo et puis nous, on va Ouais. continuer après, je pense, question de demain, avoir quelques trade packs déjà de fait. Et après, moi, j'irai faire un peu mon champ pour mettre des trade packs de côté, pour en faire beaucoup d'un coup avec la guilde, je pense. Comme ça, on pourra faire. Moi demain je suis pas là, je pars demain. Tu pars demain en Ouais, vacances? donc aujourd'hui c'est le dernier truc où je peux. Après, tu pars combien de temps? Une semaine, 2 semaines. Attends. Je reviens le jeudi ou le vendredi de la semaine prochaine. Ok. Pas de cette semaine, pas la semaine prochaine là, mais encore un peu. Ouais. Donc tu pars 2 semaines. Ouais, c'est à peu près Tu le vas nous temps. manquer, Bubule. Non, un peu moins de 2 semaines. Je vais faire le dimanche, une semaine, ouais, un tout petit peu moins, quoi, une semaine et demie. Hop. Entre-temps, peut-être que Martin s'est préparé à avoir le jeu. Et il t'a dit quand est-ce qu'il le prenait ou pas? Non, non, non. J'ai arraché ça dans l'air. Ouais, parce qu'au final, je savais pas qu'il y avait la mer juste à côté de moi, en fait. Ouais, elle est vraiment pas loin. Et si tu Oui, puis du regardes, coup. là on va arriver à Marianople. Ah, je vois ça sur la carte. Ce qui fait que comparé au trajet que tu dois te taper sinon avec le bus, t'as vu comme c'est plus court? Et tu fais plus d'Afrique, non? C'est plus loin, non? Je sais pas. Non, c'est le même endroit que sinon quand on y a été avec le bus. Ah, oui. Ah, il y a quelques bus, ah, ouais. Tu te souviens quand on a dû traverser toutes les maps Oui, là, parce que. attendre aux arrêts. C'est 10 fois plus facile, ça va être 10 fois plus vite, ça va en bateau. C'est ça. On peut faire 3 fois 3 allers-retours comme ça me plus vite que si tu faisais le bus. Et ça va encore plus vite si t'achètes des pierres de TP. Et après, tu te TP à chaque fois. Ouais, mais bon là ça coûte un peu. Ouais, c'est pour ça, moi, je vais utiliser mon recall là quand on sera arrivé. Ouais, pareil. Ça, c'est gratuit. Ouais, il est là, j'avoue, du coup il n'y a pas le temps de faire le retour en bateau. Et voilà Marianople. Ouh, je me tape un petit lag, je sais pas toi. Je crois légèrement. Bon, ça va, c'est revenu, je crois. Bon, là, va falloir enlever le bateau et le remettre, je suis désolé. Ah, allez, d'accord. On se trouve stylé, c'est quand il apparaît, il disparaît, quand il. À travers le portail, ouais. Ah, après, il y a ce du portail dimensionnel, là, pour c'est quoi la classe? C'est pareil, c'est que pour les bateaux, par exemple, c'était fait apparaître une voiture, on n'en sait rien, ça fait ça. Je sais pas du tout. En France, c'est que les bateaux, ça. Et nous voilà arrivés au Gold Trader. Ouais, donc c'est vraiment super rapide. En fait, ça vaut plus le coup de faire ça que par exemple de faire ce qu'on fait dans les missions de. Oui et non, parce que les elfes te rapportent quand même plus de thunes. Ah oui, il sera pas plus un peu d'accord. Ouais, tu vois, ici c'est 5. Ah, 5,55 quand même. Non, c'est pareil. Hein. Moi là-bas, quand j'étais allé, c'était 5 quelque chose, peut-être Ouais, non, 70 mais quoi. là c'est élevé cette fois-ci, mais ça m'est arrivé de le revendre ici pour 4 PO et des poussières, quoi. Bah, c'est marqué 129%. Ouais. Bah, fais-toi plaisir, hein, vas-y. Et ensuite, le petit recall qui me permet de revenir à la maison, où je pourrais recommencer directement si je voulais. Faut que j'attende 17 minutes. Je le disais tout à l'heure pour pouvoir revenir. Et voilà. Bon, bah maintenant que vous avez vu comment gagner des PO rapidement, il vous reste plus qu'à vous faire la même chose. Allez, ciao ciao! À plus.